Tu savais que Parole de chat sort aujourd'hui en librairie ? La BD ? Eh oui. Ah ben, c'est pas trop tôt. Vous avez pris votre temps. Tu veux voir la bande-annonce ? Carrément. Un manoir, un étrange costume de magicien. Et des chats qui parlent. C'est le début des ennuis pour Jean Némarre. Découvrez la bande dessinée Parole de chat. Vendu sans traducteur de miaulement. Alors, t'en penses quoi ? Bah, tu sais très bien ce que j'en pense. Ah oui, c'est vrai. Si ça se mange pas, ça t'intéresse pas, c'est ça ? Bah oui. Si on peut pas la manger, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Mais plein de choses. On peut la lire. Oui, sauf que je te rappelle que je sais pas lire. On peut s'asseoir dessus. C'est confortable. Ouais. On peut lui faire un câlin. T'as mis de l'herbe à chat, c'est ça ? Non, pas du tout. On peut monter dessus pour faire un petit tour. Ah oui, ça c'est sympa. Et si vous en prenez plusieurs, pour faire un cadeau par exemple, vous pouvez faire une cabane avec. Et on peut s'en servir pour apporter à manger. Ah bah voilà. Là, d'accord. Et en plus, pour la sortie en librairie, on a mis des bonus en réalité augmentée. C'est quoi la réalité pimentée ? La réalité augmentée, c'est ça. Téléchargez l'appli Delcourt Soleil, c'est gratuit. Scannez la planche et vous avez des bonus. Ça marche même avec les BD qu'on vous a déjà envoyés par la poste. Essayez, vous verrez. Je vous mets ici la liste des pages où il y a des bonus. Et cerise sur le gâteau, Bidi Bop et moi-même serons en dédicace. Ici, là, ici et là. J'espère que vous viendrez nous voir. Tu peux me remontrer comment on apporte les croquettes avec ta BD ? Ah oui, si vous voyez la BD en vitrine dans votre librairie, prenez une photo. Ça nous fera super plaisir de voir ça. Merci encore pour votre soutien. Si tout ça existe, c'est clairement grâce à vous. Et si vous faites partie des personnes qui attendent la mini-BD Parole de chat perché, elle est en ce moment même chez l'imprimeur et donc elle arrivera chez vous en temps et en heure, comme promis. Hé ! Sinon, je pensais à un truc. La BD, je pourrais peut-être m'en servir comme griffoir ou comme litière.